va le voir, il est au bar. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Deux jus d'orange, mademoiselle, s'il vous plaît. Dis donc, elle nous a même pas calculé. Et monsieur Bercani, je suis très heureux de vous rencontrer. Je me présente Kader Roussel. C'est moi qui ai terminé deuxième. Ah ouais, super. Ouais. T'as pas gagné, mais c'est sympa. Ouais. Oh, c'est pas grave, hein. C'est que la deuxième fois. Hein. Pourquoi? Ah oui, à Clichy aussi. Ah, voilà. Ah ouais, bah t'as pas de bol. T'as un spectacle, t'as un truc? Une heure et quart. T'as 40 minutes de potable, alors? Ah non, ouais. J'ai une heure nickel. Ah ouais? Ouais. Ah bah super, on va se revoir alors. Merci. Adorable. Et franchement, monsieur Bercani, ça serait super. Hein. Ouais. Et monsieur Bercani, vous me laissez votre carte ou je vous laisse mes coordonnées? Tu rigoles, on va se revoir enfin. Ouais. Il pourrait dire au revoir le gars là-haut. Qui ça? Bah le gars qui était ici là. Ouh. T'as aucune éducation hein. Franchement moi c'est... Moi là, là je suis énervé là. Parce que ce genre de truc, moi, ça m'énerve. Calme-toi. Non mais ça m'énerve ça. Tu vois pas ça? Ça c'est l'éducation là. C'est rien. Mais non mais moi ça m'énerve, voilà c'est tout. Ah je te jure. Alors vu que le premier interrogatoire n'a pas été concluant avec l'autre crème, avec moi ça va être du direct. Parce qu'il faut que ça bouge là, il faut que ça avance cette affaire. Et avec la pression qu'ils nous foutent là, les laboratoires machin là. Enfin bref. Alors tu vois, nous, on se pose pas trop de questions, nous. On fait ce qu'on nous demande, tu vois. Par exemple, on nous dit de faire 1 plus 1 égale 2. Moi je fais 1 plus 1 égale 2. Ça donne quoi de ton point de vue? 2. Continue sur ce ton et tu vas en baver mon vieux. T'as intérêt de filer droit aujourd'hui. T'es, je suis pas là pour m'amuser. Ton nom? Chandelor. Chandelor. T'es fou de ma gueule? Parce que franchement, là, t'es mal parti. Et t'as intérêt de parler très vite. Ok? Bon, parce que là, on a interrogé mademoiselle Kéridan. Et on va faire un recoupement de ce que tu vas nous dire. Alors bon, est-ce que, oui ou non, t'as ouvert les cages des animaux samedi soir à 23h... Non. À 22h45. T'étais te fait marrer? Ouais. Je sais, pardon, c'est pas contre vous. Hein. Ouais. Bon, ben, viens, allez, hop, on y va, là. On voit de la farbonne, putain, il est refusé. Et vous m'avez accordé tous les autres, hein. Monsieur le greffier, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais le délai est expiré. Mais je plaide demain, je n'ai rien, pas un papier, rien. Passez au greffe, consultez le dossier. Prends tes affaires et tire-toi de là! Allez! Putain, qu'est-ce que vous avez à regarder là? Oh, tu cherches la merde ou quoi? Moi, pas travailler pour nettoyer. Ok? Alexei a dit ramener la fille. Moi, ramener la fille, ok? Pourquoi pas chercher autre? Parce que la fille a plus de valeur! Toi comprendre? Hein? Baran! Mais Netchaïev! Mais Netchaïev! M'en fous de Netchaïev! Écoute-moi bien! Si Netchaïev veut les autres, il envoie ses hommes. Maintenant, toi, tu travailles pour Alexei! Ça fait 10 ans que tu me fais chier! Je veux pas que tu partes! Lâche-moi! Je veux pas que tu partes! Tu crois que je vais rester avec toi parce que je t'ai fait ce mioche? Je vais crever tous les deux! S'il te plaît! Que t'as fait? Tu m'auras fait chier jusqu'au bout. Tariq, va voir de l'autre côté. Putain, il est là, Max. Attrape-le! Ça se fait qu'on l'a laissé courir, le mec! Merde! Tout le matos! Les fonds papiers! Toi, tu devais le surveiller! Toi aussi! Putain, les bras cassés! Putain, mais c'est quoi ça? Allez, tous dans la bagnole. Alors, pas terrible, hein? Oui, enfin, c'est normal, hein? C'est un modèle, c'est un matelas en polyuréthane. Sinon, vous avez celui-ci, c'est le Maldives, le dernier né issu de la technologie du
La modernité, c'est un matériau sensible. Il est sensible. Rafi, tu m'entends? Qu'est-ce que vous foutez, merde? Dépêchez-vous! Vous avez réveillé tout le quartier. C'est marrant, dans mon spectacle, j'ai un personnage de SDF. Ah, c'est marrant, ça. Et tu vas me dire qu'il me ressemble? Ah non, alors pas du tout. Hein. Mais tu dors où ce soir? Tu veux pas prendre un bain? Tu sais, je peux te payer une chambre d'hôtel. Attends. Tu me cherches ou quoi, là? Ah non. C'est pas ce que vous croyez, hein. Je veux juste vous aider. Bon, admettons que j'accepte. Demain, je fais comment pour retourner dans la rue, après avoir passé une nuit à l'hôtel? Hein? Bon, ok. Mais prenez au moins un peu d'argent. Va te torcher avec tes 10 euros, putain. Je t'en avais demandé 20 tout à l'heure. Invite-moi à ton spectacle, plutôt. Il s'appelle Selim Saber et il s'agit donc de lui attribuer une note.